Bonsoir à tous, je me présente Agnès Claude et Catherine Amiche, du coup. Merci pour les intimes. Nous allons vous présenter notre projet sur les thèmes jeunesse, seniors et santé, que nous avons décliné sous forme de label. Alors, qu'est-ce qu'un label ? C'est un engagement fort d'une commune sur une durée entre 3 et 5 ans, souvent la durée d'une mandature, de proposer dans certains domaines des actions innovantes. Cela permet à la commune de s'intégrer dans un réseau, de mutualiser des actions et d'avoir un retour d'expérience. Le Bosset est déjà labellisé Villeflum et c'est très bien. Et nous souhaitons cependant aller plus loin. Le premier label dont nous allons parler ce soir s'adresse à la jeunesse. Il s'agit du label Le Bosset, ville amie des enfants. Alors qu'est-ce qu'une ville amie des enfants ? C'est une ville qui se caractérise par la qualité de ses actions en direction des jeunes entre 0 et 18 ans. Nous avons fixé 4 objectifs. Cathy va vous les présenter. Les objectifs. Alors, le premier, déjà, ce serait de favoriser l'accès à la culture à destination de nos jeunes et de nos scolaires. Aider, encourager et développer les structures pour nos jeunes. Permettre à la jeunesse, évidemment, une ouverture à l'international. Et permettre une plus grande mobilité de nos jeunes durant les périodes de vacances scolaires. Bien, donc nous sommes partis de ces objectifs pour élaborer des propositions concrètes. Notre première proposition est d'améliorer les jardins d'enfants dégoublés avec des toboggans, des parcours de jeux, un espace ludique ouvert à tous et gratuit pour s'amuser, échanger. Nous envisageons également la création d'une numérithèque et d'un Fab Lab. Alors, une numérithèque qui pourrait accueillir un espace de coworking, c'est-à-dire un espace de travail partagé, dans lequel il y aurait des ordinateurs, mais aussi un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication où on y intégrerait des imprimantes 3D et chacun d'entre vous, jeune ou moins jeune, pourrait y avoir accès. N'oublions pas le sport, et pour cela nous proposons l'installation d'espaces de mise en forme au cœur du Bosset. Alors, cela peut se faire sur le stade de foot ou de rugby. L'idée